été arbitrairement condamné à un an de prison, assorti de sursis et à 20 millions de francs guinéens d'amende. Le juge a été très courageux. Très courageux. Le juge a été très courageux. Magnani. Et nous allons relever appel. Cette décision ne nous fait ni chaud ni froid. Ça nous résout. Nous allons relever appel. Nous avons dit ici que votre client, le collectif d'avocats ici présent, nous avons soutenu que notre client a poursuivi simplement pour avoir exprimé son opinion. Or, tous les Guinéens expriment leur opinion. Chacun est libre, conformément aux articles 5, 6, 7 de la Constitution, chacun est libre d'exprimer son opinion. Il a exprimé ses opinions, il ne devait pas être arrêté, ni poursuivi, ni condamné. Mais, Dieu merci, il va sortir de prison et nous allons relever appel. Et avec cet appel, l'appel va suspendre. Et la peine d'amende aussi, et voilà. Tout au long, on vous a dénoncé un procès en acharnement par rapport justement aux membres du FNDC. Oui, bon, cela va de soi parce que depuis 5 mois, nous tournons dans les juridictions pour défendre des citoyens qui sont membres du FNDC et qui expriment leur opposition à l'idée d'une nouvelle constitution, légalement. Mais c'est curieux, ceux-là qui expriment leur volonté pour une nouvelle constitution et qui aussi font des déclarations fracassantes n'ont jamais été poursuivis. Donc il y a toujours le deux poids, deux mesures. Alors là, tu ne donc aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous ne sommes pas contents de sa condamnation avec souci parce que c'était innocent, mais nous sommes contents parce qu'il va sortir, il va regagner son domicile et nous allons faire appel. Sa décision sera nulle et de nulle effet tant que la Cour d'appel ne rejette pas l'affaire. Sinon que le dossier là déjà, il est enterré. À partir d'aujourd'hui, il est enterré et la vie continue. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est une alerte que nous lançons. Nous, en tant qu'avocats, ces derniers temps, nous assistons à des arrestations musclées de citoyens libres qui auraient pu être convoqués. Quand on a besoin d'un citoyen, il faut le convoquer. Il va venir avec ses avocats. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont les yeux ouverts. Chacun connaît à peu près ses droits les plus élémentaires. Quand vous avez besoin d'un citoyen, appelez-le, convoquez-le. Il va venir au lieu de tomber sur lui dans la rue. Sinon, ils vont tuer beaucoup de Guinéens parce que si vous tombez sur quelqu'un qui est cardiaque, il va trouver la mort entre vos mains. Hein? Depuis un certain temps, on file les gens. Ce sont des personnes qui ne sont pas identifiées, qui n'ont aucun signe distinctif qui puisse prouver que c'est de la police ou la gendarmerie. Mais on vient simplement, on te surveille, on te pourchasse toute la journée sans que tu ne te rendes compte. Et à un moment donné, on tombe sur toi, avant que tu ne te rendes compte, tu es cagoulé. Tout ça, ça porte atteinte à l'honneur et à la dignité des Guinéens. Est-ce que cela veut dire que les membres du FNDC doivent désormais... L'appel suspend. Donc, cette décision ne sera pas exécutée. Alors, je disais que, est-ce qu'avec les membres du FNDC, cette décision et cette procédure que vous dénoncez, vous devez dire qu'ils doivent désormais être sous leur garde? Ce sont des décisions arbitraires contre lesquelles nous avons fait appel. Donc, chacun est libre d'exercer ses opinions, ses droits. Conformément à la loi. Vous pouvez rappeler les faits pour lesquels vous... Bon, il était poursuivi pour diffusion, mise à disposition des données de nature à troubler l'ordre public et la sécurité publique par le biais d'un système informatique. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, on va